Vous avez une minute? Pour remplacer un système amarre dans un gilet gonflable, il faut bien entendu le kit de remplacement avec la cartouche neuve, le système hydrostatique neuf et surtout la petite clé. Le système est accessible ici dans le gilet. On voit tout de suite que la pastille est rouge, ça veut dire que le gilet a été déclenché et qu'il faut remplacer le système. Donc on enlève la petite protection en plastique qui vient juste protéger et à l'aide de la clé, je fais pivoter la partie jaune et la partie noire qui est en dessous qui pivote. Et du coup ici, mon système se désassemble complètement. Et je peux alors atteindre la cartouche qui est à l'intérieur. Donc on voit ici le petit voyant rouge qui indique que cette cartouche-là est périmée par rapport à la nouvelle qui va remplacer et qui ici a un petit voyant vert. Donc l'opération de montage se fait dans le sens inverse. On réintroduit dans le gilet la cartouche. Ouais, ce qui est très important, c'est de bien ici assurer l'étanchéité du boudin. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite, bien entendu, sinon le gilet ne se gonflera pas. Et donc on referme en mettant la partie mâle et la partie femelle. Et dessous, je tourne le noir dessous. Et je remets tout à l'intérieur du gilet. Et donc maintenant, je peux refermer mon gilet. Et là, je le rentre à l'intérieur. En passant ici la zone qui restera ouverte. L'intérêt de ce gilet SL180, c'est que il se replie de façon très facile sans avoir besoin de chercher les bons plis ou de le plier de manière un peu le froisser comme ça tout autour.